Je vois qu'il y a de la joie de se retrouver. Ça faisait longtemps. Et moi, c'est mon premier culte depuis la reprise, plus ou moins totale. On vous voit derrière les masques. C'est mieux que rien. On voit qu'il y a des sourires. On voit ça aux yeux. On est devenu doué pour ça. Bienvenue dans notre temple pour notre culte d'aujourd'hui. Et nous voulons avoir une pensée pour toutes les personnes que nous connaissons qui ont été touchées par les inondations. Et dans notre famille des églises des AEPEB, il y a deux églises qui ont besoin de notre soutien. L'église de Jemel, les dégâts sont considérables, surtout à le rez-de-chaussée. Et l'église de Virton-Saint-Marc, j'ai vu les photos de l'extérieur. L'eau est montée très haut chez eux aussi. Pour l'instant, nous ne savons pas encore grand-chose sur les besoins physiques en mobilier, s'ils ont besoin d'aide pour le nettoyage, etc. Mais ils ont besoin de nos soutiens dans la prière. Donc, certains ont des journées de nettoyage aujourd'hui très fatigantes. Pensons à eux dans leur prière et à ceux qui nous regardent, soyez assurés que l'Église de Oui a toute sa sympathie pour vous. Daniel l'a exprimé aussi. Il n'est pas là aujourd'hui. Que vous êtes dans nos pensées, dans nos prières. Et faites-nous connaître vos besoins aussi. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Il y a une présentation aujourd'hui. La petite Salomé est là. Et nous avons le groupe qui est prêt, ainsi que Théo, qui est aussi prêt à nous diriger dans ce moment de louange. Je te cède la place. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne soyons pas timides. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison de notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et surtout, ne soyons pas complexés, puisque le roi des rois est avec nous. Notre Seigneur est là. Avant de commencer, nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Père Céleste puisque tu es là avec nous. Nous ouvrons nos cœurs Seigneur pour te laisser entrer. Commence à laver chacun de nous Seigneur afin que dans ta sainteté tu trouves ta place au fond de nous Père. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom Seigneur, pour glorifier ton nom. Et pour témoigner que tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre les cultes les plus agréables pour toi, Seigneur. Nous te les demandons dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'amour de notre Père. En vivant les morts, mon plus grand trésor.
de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse. C'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. C'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort et les bras ouverts, l'envers des mystères, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Ne soyons pas timides. Nous sommes les enfants du Seigneur et nous sommes dans sa maison. Amen. 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 Vous savez, nous allons essayer quelque chose de simple. Nous allons tenter de faire un challenge. Je vais déjà vous le dire. Je n'ai jamais chanté. Surtout chanter en public. Mais étant les serviteurs de Dieu, je vais oser le faire. Mais je vais compter sur vous. Puisque mon public, notre public, c'est le Seigneur qui est parmi nous. Et alors, nous allons essayer de chanter tous ensemble et exprimer ce qui nous vient à cœur. Voilà. Je prends le micro à main, je vais essayer de faire musicien maintenant, mais ne me jugez pas. Ça va? Je vais commencer à dire des petits mots, et vous, étant que des grands musiciens pour notre Seigneur qui est là, vous allez juste commencer à dire merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et moi, à chaque fois, je vais commencer à mettre des petits mots qui me viennent à cœur. Et puis, tous ensemble, nous allons faire la chorale pour le Seigneur. Ça va? Ça ne sera pas seulement nos musiciens qui vont commencer à chanter tous les jours. Nous sommes venus pour participer, pour louer, pour adorer notre Dieu. Ça va? On va tenter. Je vais demander aux musiciens s'ils sont prêts et on tente. Merci, Jésus. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton pardon, merci Jésus, merci pour ton amour, merci Jésus, merci pour ton salut, merci Jésus. Merci pour ta présence, merci Jésus. Merci pour la joie, merci Jésus. Merci pour la paix, merci Jésus. Merci pour ton église, merci Jésus. Merci pour nos pasteurs, merci Jésus. Merci pour ma santé. Merci Jésus, merci pour ta guérison, merci Jésus, merci pour nos musiciens, merci Jésus, merci pour nos enfants, merci Jésus,
Merci pour nos familles. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Là, on voit qu'on est une église vivante. On n'est pas une église qui est en train de s'endormir. Vous savez quoi, la prophétie de notre frère, notre pasteur Timothée la semaine passée, il va y avoir 30 baptêmes. Donc, étant qu'une église vivante, nous avons l'obligation de continuer à travailler, à chanter, à être vivante et surtout à ne pas être complexé d'être serviteur de Dieu à des différents niveaux. N'est-ce pas? Pour cela, nous allons prendre le temps de s'incliner devant le Seigneur et nous allons prier. À voix haute, chacun va prendre des moments courts, des courts moments de prière pour dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie, pour la santé de nos enfants, pour la réussite de nos enfants à l'école. Cette année scolaire qui vient de passer avec les réussites, parfois avec des échecs, mais on peut dire toujours merci au Seigneur. Remercier le Seigneur pour l'année suivante, l'année scolaire qui va arriver avec les réussites à nos enfants, des choses comme ça. Nous allons nous incliner dans la prière et à voix haute, sentez-vous libre de vous exprimer. Nous pouvons nous incliner. Amen. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Je suis vraiment fier de vous. La prochaine fois, on fera notre dream team, notre chorale de l'église. Nous allons commencer tous à chanter ensemble pour la louange et l'adoration de notre Seigneur. J'espère que vous serez tous ensemble dans la chorale du Seigneur. Et moi, je ferai partie, j'espère. Même si j'ai 1 sur 10 aujourd'hui, la prochaine fois avec la répétition, je serai meilleur, j'espère. Mais je vais vous raconter une petite histoire comme fait souvent notre ancien Samuel. J'aime bien. Cette histoire commence comme ça. Il y avait un homme qui était convié à une réception. Mais il n'avait pas été accédé à la salle parce que les services de protocole jugeaient que sa tenue vestimentaire n'était pas conforme. Alors, cette personne, cet homme, avait décidé de retourner chez lui, chercher l'un de ses plus beaux costumes.
il s'était présenté à nouveau à la porte de la salle et la personne ou les personnes qui étaient devant la porte ne l'avaient pas reconnu. Il avait eu libre accès. Une fois entré et installé à sa place qui lui était réservée, le moment des repas arrivait. Ces convives ne mangeaient pas. Mais il étalait tous les repas sur lui. Vous imaginez, vous avez un invité chez vous, hein, vous devez partager les repas, et lui, il prend les repas, il commence à étaler sur lui, sur ses vêtements, partout, dans la poche à l'intérieur, dans les poches derrière, dans les chaussettes, en tout cas, il a mis partout. À tel point que les gens qui étaient tout près de lui étaient choqués. Alors, il lui demandait, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça? Mais lui répondait, ne vous tracassez pas. Laisse mes habits manger. Oui, ses vêtements devraient manger. Puisqu'il s'est présenté à la porte, on n'a pas voulu de lui. Mais avec sa belle tenue vestimentaire, eh bien, l'accès était libre. Cet homme avait manifesté sa reconnaissance à ses habits. Toi, moi, notre reconnaissance est dans le Seigneur qui a fait la terre et les cieux. C'est là où se trouve notre reconnaissance. C'est pourquoi d'un cœur reconnaissant, nous lui disons merci pour son œuvre. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci.
Nous allons lire dans Éphésiens 5, 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, 20 dit ceci. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remercierez Dieu pour toutes choses. Ce n'est pas facile, hein? Pour les gens qui ont connu les inondations, la perte de tous les biens, si on les dit de remercier le Seigneur pour toutes choses, ça sera très difficile pour eux. Mais pourtant, la parole de Dieu nous demande, nous, ses enfants, malgré toutes les circonstances que nous pouvons connaître dans notre vie, de les remercier. Et c'est par là où il y a le premier signe de la foi. Le premier signe de la foi dans la maladie, dans la souffrance, dans les échecs. Oui, de les remercier. Et c'est par là où on voit la main du Seigneur, comment elle agisse. Et pour cela, nous allons demander à notre Seigneur d'écouter nos cœurs. Entends mon cœur. Thank you.
Et c'est par ton sang, Jésus.
Avant de laisser la place au pasteur Martin pour la présentation de Salomé, j'invite Moïse pour un petit mot. Viens, mon frère. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui... Diana et moi, donc mon épouse Diana, nous avons décidé de présenter notre fille Salomé Chantal Yav Soulanawej. Oui, elle a un nom assez long parce qu'elle est d'origine congolaise et colombienne, vu sa maman est d'origine colombienne. Et hier, notre fille, elle a totalisé un an et nous rendons grâce à Dieu. Si nous avons pris cette décision de présenter notre fille devant l'Église et devant Dieu, parce que c'est une grâce d'être parent. Et ça, je le vois au quotidien avec ma fille. Et chaque matin, quand elle se réveille, avec ses beaux sourires, elle pleure aussi, hein, comme disent les enfants qui pleurent, et ça nous remplit de joie. Et je veux profiter de ces jours qu'on présente notre fille Salomé pour remercier un peu toutes les personnes qui sont présentes au quotidien. Je tiens à remercier ses grands-parents qui sont là. Merci d'être là. Et je remercie aussi les grands-parents qui ne sont pas présents, qui sont au Congo, qui nous suivent peut-être en ce moment en live sur Facebook. Je dis merci à son Magina qui sont au Congo, à ses tatis, oncles qui sont en Afrique du Sud, qui nous suivent aussi, qui sont aux États-Unis, un peu partout dans le monde, aux Pays-Bas. Je tiens à les remercier pour ce qu'ils font au quotidien. Malgré la distance, ils sont toujours présents. Et sans oublier aussi les tatis qui sont là présents, et tonton aussi, parrain, marraine, les amis qui sont venus. Merci, parce que c'est grâce à vous que notre fille grandit. Grâce à vous que vous êtes chaque jour présents au quotidien. Et ça, je vous remercie beaucoup, et je sais pas comment vous remercier. Et la prière que nous demandons à Dieu, sa maman et moi, c'est que notre fille Salomé puisse grandir en sagesse, en statut, en genre, devant Dieu et devant les hommes. Et qu'un jour, ma fille puisse être à ma place et dire « Waouh, j'ai reçu Seigneur comme sauveur dans ma vie » et ça sera un grand témoignage.
Je sais que présenter ma fille devant l'Église ne lui donne pas une place au paradis, mais je sais que l'Église, vous qui êtes présents ici, essayez de l'aider pour qu'un jour ma fille soit un témoignage pour moi, pour sa maman, pour sa famille et pour l'Église. Telle est notre prière. Amen. Merci. Un jour en 2002, ça remonte, on m'appelait encore un jeune à l'époque. Il y avait tout à coup trois nouvelles élèves. Du jour au lendemain, Anne, mon épouse, avait trois nouvelles élèves dans sa classe. La famille Soulanawej venait de s'installer. Ah oui. Et il y avait le grand frère. Il était déjà en secondaire à l'époque, Moïse, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cet été-là, en 2002, où il est venu nous donner un coup de main dans un camp d'enfants que nous organisions. Et j'ai pu découvrir un jeune homme qui avait le feu pour Dieu. Il n'y avait pas d'autre mot. Et j'ai pu faire sa connaissance. Nous avons passé des bons moments ensemble, à différents moments. Il y a même eu tout ce temps où il développait son rap. Il y a eu une collaboration musicale, en effet. Nous avons aussi, j'ai pu rencontrer Diana, son épouse. Et depuis que j'ai fait mon grand virage de carrière, passé du béton à la parole de Dieu, j'ai eu la joie de pouvoir, à plusieurs reprises, m'asseoir avec lui, ouvrir la parole de Dieu et avoir des bons moments à découvrir la beauté, les trésors de la parole de Dieu ensemble. Et je suis heureux qu'il m'ait demandé maintenant de faire la présentation de Salomé et sa fille. On m'a demandé d'expliquer la différence entre une présentation et un baptême. Je vais le faire courtement et puis dire exactement ma vision de ce que c'est une présentation. Pour nous, le protestantisme, à la base, c'était un retour aux sources. Et il y a quelques siècles, quand ils ont fait ce retour aux sources et qu'ils ont regardé le baptême dans la Bible, on voit à chaque fois que c'est des adultes qui ont été baptisés. Nous ici, nous faisons des baptêmes d'adultes. D'ailleurs, il y a le baptistère qui est dans la pièce là-bas. Quand on baptise, un de mes boulots ces quatre dernières années, c'était de sortir le baptistère, faire très attention de ne pas le casser, de le remplir, de mettre les 3 mètres cubes d'eau dedans, m'assurer qu'il soit chaud. Et comme notre chaudière ne tient jamais le coup, je dois aussi chauffer quelques bols. Merci à tous ceux qui me donnent un coup de main. Mais pour Salomé, on n'aurait pas besoin d'une aussi grande piscine. Mais nous baptisons des adultes parce que quand on retourne vers la parole de Dieu, quand on fait ce retour aux sources, on se rend compte que chaque fois que quelqu'un se fait baptiser, c'est le fruit d'une démarche personnelle. C'est quelqu'un qui décide de déclarer publiquement, par un acte symbolique, qu'il confesse de sa bouche le Seigneur et qu'il croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Voilà ce que c'est le baptême. Et le baptême des nourrissons n'est apparu que beaucoup plus tard. Et vous allez voir, on ne peut pas encore demander. Salomé, elle est pleine de vie, beaucoup de sourires. Je ne sais pas si vous en verrez, j'espère que vous en verrez, parce que ça vaut la peine. Mais elle n'est pas encore prête à faire une démarche personnelle. Mais nous avons cette habitude dans notre Église de faire des présentations, parce que dans la Bible, il y a des exemples. Ça n'a pas été commandé de le faire, mais on a petit Samuel dans l'Ancien Testament, qui est présenté au temple. On a Jésus lui-même qui est présenté au temple. Et puis, quand on apportait des enfants à Jésus, Jésus priait pour eux, les bénissait. Et c'est pour ça que nous avons cette habitude maintenant chez nous de faire ce que nous appelons des présentations. Tout d'abord, c'est un acte de reconnaissance. Devenir parent, c'est une joie. Le psaume 127 dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Il y a des choses qu'on ressent tout de suite chez les gens. Et je suis sûr que vous l'avez ressenti.
Moïse qui est venu vous parler, et j'ai pu voir ça chez Diana aussi, vous le ressentez, il est heureux d'avoir Diana dans sa vie. Et oui, certainement Diana, bien sûr. Et il est heureux d'avoir Salomé dans sa vie. Et cette présentation, c'est un acte de reconnaissance. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce cadeau. Philippiens 4, 6 nous dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. L'avenir de nos enfants, c'est une source d'inquiétude. Être rassuré sur l'avenir de nos enfants, c'est un besoin. La Bible nous dit de faire connaître nos besoins à l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui ensemble en tant que famille de Dieu. Exprimer ce besoin. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes en main l'avenir de Salomé. Ensuite, avoir des enfants, ça implique des devoirs. Deutéronome 6, 5 et 6 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça a été inclus dans ce passage. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ces commandements, tu les inculqueras à les enfants. En tant que maman, en tant que papa, nous avons une responsabilité. Et cette partie-là de la prière que je vais faire tantôt sera pour Moïse et Diana. Qu'ils puissent enseigner à Salomé à aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et nous savons que l'enseignement, ça va bien plus loin que la petite conversation qu'on les prend en aparté une fois de temps en temps. L'enseignement, c'est bien sûr ça, ce sont des moments très importants, mais les enfants observent. Parfois, les enfants imitent. Pendant les vacances, à un moment donné, j'ai été me balader avec mon fils et en revenant, Anne m'a dit, vous avez tous les deux la même démarche. Donc là, je ne sais pas si c'est imité, mais voilà, il y a des choses. Les enfants finissent souvent, pas toujours, par faire la même chose que les parents. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons être des exemples aussi. Enseigner ses enfants, inculquer les commandements de Dieu à ses enfants, ça se passe aussi par nos manières d'agir, notre manière d'être avec les gens, notre manière d'être avec Dieu. Finalement, une présentation, c'est l'occasion de demander à Dieu de fortifier. Nous demandons qu'il fortifie Salomé, qu'elle puisse grandir et faire face à tout ce que la vie peut lui lancer, et qu'il puisse fortifier Moïse et Diana, alors qu'ils acceptent cette tâche, pas toujours facile, de prendre soin de leur fille, de lui enseigner des bonnes valeurs et de lui enseigner les voies du Seigneur. Le moment est arrivé, Moïse et Diana et Salomé. Le moment est venu de me rejoindre sur la scène. J'ai été leur rendre visite hier. Salomé a bien voulu que je la prenne 30 secondes dans ses bras. Est-ce que tu veux bien encore une fois? Hein? Mais non, si elle ne veut pas, je lui rendrai à son papa. Parce que la prière peut quand même avoir lieu. Alors Salomé, voilà l'église. Ils ont l'air impressionnants comme ça, mais t'inquiète pas. Ils sont tous heureux de te voir. Hein? Maintenant, je vais prier pour toi et je vais prier pour ton papa et pour ta maman. On est d'accord? Ça va? Père Céleste, en tant que ta famille, en tant que tes enfants, dans cette assemblée ici à Oui, je veux te remettre Salomé. Seigneur, je veux te remercier. C'est un grand merci que nous voulons faire monter vers toi. Merci de l'avoir donné. Merci qu'elle soit dans la vie de Moïse et de Diana. Merci pour toute la joie qu'elle apporte en ce moment. On a fêté son anniversaire.
Elle a l'air en pleine forme. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Seigneur, les enfants sont un cadeau. Salomé est un cadeau pour lequel nous voulons dire merci. Et Seigneur, nous voulons maintenant te la remettre. En tant que ta famille, nous voulons te remettre le besoin que nous avons. Nous voulons te la remettre, le besoin qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse grandir en stature, que tu puisses protéger sa santé, que tu puisses protéger son développement. Te remercions pour le caractère qu'elle nous montre déjà. Seigneur, que tu puisses lui permettre d'apprendre des bonnes valeurs. Et je vais te remettre Moïse et Diana aussi, qui ont cette tâche divinement donnée par toi, de l'élever. Seigneur, que tu puisses leur donner la force, que tu puisses leur donner la sagesse de pouvoir lui enseigner tes voies, lui enseigner des bonnes valeurs, qu'elle puisse grandir pour devenir une jeune femme bien. Et Seigneur, que ces choses pour lesquelles qu'elle puisse découvrir les belles choses de toi, et qu'en grandissant, elle puisse apprendre à te connaître, apprendre les beautés de ta parole, apprendre à te faire confiance. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous avons une autre habitude qui va faire les honneurs. À qui est-ce que je vais donner? Qui sera le... Georges, allez, Georges va venir. Nous avons un tableau là derrière avec chaque enfant qui a été présenté. Salomé Soul, présenté à Dieu le 18 juillet 2021. Et ce sera, je ne vais pas lui montrer parce qu'elle va croire que c'est pour elle. Et puis je n'aurai pas le cœur de lui reprendre. Et ce n'est pas moi qui vais en redessiner. Hein? Parce que ça fera tâche parmi tous les autres. Et nous allons aussi donner cette carte. C'est une carte pour maman et pour papa, qui a été rédigée par Daniel. Je vais vous la lire. Ce dimanche 18 juillet 2021, en l'église protestante évangélique de Huy, Salomé Soul Anawej a été présenté au Seigneur, ses parents Diana et Moïse Soul Ganduza Gonzalez. Cette cérémonie a été pratiquée selon les exemples trouvés dans la Bible, donc l'exemple du petit Samuel, l'exemple de Jésus dans Luc 2, 22, et puis l'exemple où Jésus bénissait les enfants. Et je vais quand même lire une partie parce que c'est un engagement que nous prenons en tant qu'Église tout entier. Ce que Dieu promet aux parents fidèles. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. On va commencer par les enfants d'abord, n'est-ce pas? Alors, qui va choisir l'endroit où le mouton va être? La maman. Où est-ce qu'on va mettre ça? Il y a de moins en moins de place. Voilà. Et c'est le moment où je n'arrive pas à le décoller. J'y suis arrivé. Où est-ce que je mets? La colline. On va la mettre sur la colline. Ah, il y a une place juste là. Voilà. Je vous invite une fois de temps en temps à revenir et voir tous les enfants qui ont été présentés. Je vois que c'est depuis 2006 sur ce tableau. Il y en a qui sont bien grands maintenant. Et de les mettre sur vos listes de prière et continuer à prier pour eux, pour nos enfants et pour Salomé. Merci. Le chant que nous allons chanter maintenant, c'est un chant que Moïse a choisi. C'était un bon choix sur la Gracia. Je vous ai parlé, oui? Ta carte, oui, on va quand même lui donner la carte, hein? J'allais lui donner après. Sola Gracia, je vous avais parlé de ce retour aux sources, ce que nous avons découvert et ce qui est source de joie pour nous, c'est le fait que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Et notre prière, c'est que Salomé puisse découvrir cette grâce aussi un jour.
celle qui nous apporte tant de joie, que cela puisse lui l'apporter aussi. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour célébrer ce moment. Ne faillit pas. L'image qui va être projetée maintenant, c'est un tableau qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Le titre original de cette peinture, c'est « De terugkeer van de verloren zoon », le retour du fils prodigue. Je vous traduis. Ça a été peint par Rembrandt, quelque part entre 1660
Et 1670, désolé, je reviens de France, 1670, il y a des gens qui disent que c'est la plus grande peinture jamais peinte. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je ne vais pas les contredire. On voit le Fils sur la gauche, dans un état pitoyable. On le voit usé, sale, par un voyage et par un manque. Ses vêtements sont trop grands pour lui. On voit qu'à un moment donné, ça a dû être des beaux vêtements, mais comme il s'est retrouvé dans le besoin, comme il mourait de faim à un moment donné, eh bien, ses vêtements sont devenus trop grands. Et ils étaient usés, sales. Et puis surtout, on voit un grand regard de tendresse sur le visage du Père. C'est vrai que la parabole nous parle de la joie du Père. Quand on lit le retour du Fils prodigue dans la Bible, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans une minute, on voit un Père qui saute de joie. Mais ici, c'est comme s'il avait capturé le moment où il se rend compte que son Fils était perdu, où il se rend compte que son Fils était mort. Il y a une particularité, c'est que les mains ne sont pas les mêmes. Une des mains, vous allez googler ça chez vous ce soir, sur votre téléphone tantôt, pas maintenant, pour qu'il y ait un peu plus de clarté, mais une des mains est plus douce que l'autre. C'est une main de femme, en fait. Et par ça, il a voulu exprimer le fait qu'il y a des qualités de l'amour d'une mère que nous pouvons retrouver en Dieu aussi. On voit aussi le grand frère sur le côté, qui lui, il donne un regard réprobateur à toute la scène. Lui, il n'est pas content. Ce que je vais faire maintenant, c'est on va lire la parabole. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est une parabole racontée par Jésus. Et c'est la parabole qui a inspiré le grand maître il y a déjà plus de 300 ans. On le trouve en Luc 15, les versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commençait à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, je meurs de faim. » Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, «
Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, tu lui as dévoré ton bien. Lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Pour lui, tu as abattu le veau engraissé. Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Jusque-là, la lecture des paroles de Jésus. Quand on prend cette parabole que Jésus a racontée, il y a un réflexe. Le réflexe, c'est de se dire que la morale de l'histoire, c'est l'amour inconditionnel du Père. Et c'est un bon réflexe. D'ailleurs, je vais en parler. Je vous annonce déjà la couleur. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans cette histoire qui nous enseignent des choses. Tout d'abord, un peu le contexte. Partout où Jésus allait, il y avait des gens qui s'attroupaient autour de lui. Mais qui étaient ces gens ? Il nous disait que c'était les publicains et les pécheurs. Les publicains, c'était les traîtres. Ce qu'ils faisaient, c'était prélever l'impôt pour l'envahisseur romain. Prélever l'impôt, déjà rien que ça, c'est pas pour se faire des amis. On n'aime pas quand on vient chercher nos sous, même quand c'est légal. Parfois même, surtout quand c'est légal. Mais pour eux, c'était encore pire. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'enrichissaient sur le dos de leur propre peuple pour le compte d'un envahisseur étranger, pour un empire qui dominait sur eux. Voilà le genre de gens avec qui Jésus était vu. Ensuite, il y avait les autres. Il avait dit que c'était les publicains, les prêcheurs et les pécheurs qui s'agglutinaient autour de Jésus. Les pécheurs, ben, c'était les parias de la société. C'était ceux qui étaient rejetés par tous à cause de leur choix de vie, à cause de leur mode de vie, à cause des choses qu'ils avaient faites, choses qu'ils faisaient encore. On sait que Jésus avait accepté de discuter avec des gens vivant dans le péché. On sait que Jésus a parlé avec des prostituées, des lépreux, a parlé avec une femme prise dans l'acte d'adultère. Et ainsi, les exemples continuent. Jésus avait été à l'encontre de toutes les normes de la société. Des gens pour qui c'était normal de les rejeter, eh ben Jésus ne le faisait pas. Il était vu en public avec eux. Et ça s'est mis à discuter dans les chaumières. Enfin, il n'y avait pas des chaumières là-bas, je ne sais pas. Mais ça discutait en tout cas. Les pharisiens, c'était les autres acteurs, c'était ceux qui connaissaient la loi. Les pharisiens, c'était ceux qui pratiquaient la loi à la lettre. Et non seulement ça, on les admirait pour ça. C'était, j'ai déjà utilisé l'expression une fois, les superstars de la pureté. C'était des érudits très respectés. Et ils voyaient d'un mauvais œil le fait que Jésus fréquentait toutes ces mauvaises personnes. Il les laissait s'attrouper autour de lui. Et cette parabole que je viens de lire est en fait directement, il vise directement ces superstars de la pureté. C'est une réponse directe aux critiques. L'histoire maintenant. Le plus jeune des deux fils décide de parler au père. Il demande au père de lui remettre sa part de l'héritage. Déjà là, la première phrase, ça a dû choquer. C'est comme s'il disait à son papa, « Pour moi, autant que tu sois mort, vivant, mort, peu importe, la famille n'importe pas pour moi, la seule chose que la famille peut me rapporter, ben, c'est de l'argent. Et je veux cet argent maintenant. Je ne veux pas attendre que tu meures. Je veux avoir la fortune comme si tu étais mort maintenant. » Vous imaginez déjà l'insulte. Vous imaginez déjà l'acte ignoble. Et ça, c'est le premier coup de pinceau que Jésus donne pour parler
de ce premier jeune fils. Mais il est en train de dépeindre l'image du pire des Vauriens. Mais il s'enfonce encore plus. On dit qu'il convertit tout en argent, donc il avait sans doute reçu des terres, il avait reçu des troupeaux, peut-être une part de la maison, et il a tout vendu. Il avait une belle somme en poche. Et on dit qu'il est parti vivre dans un pays étranger, pour qu'on ne le dérange pas, et qu'il vivait dans la débauche. Dans la version originale de la Bible, le mot utilisé, c'est « asotos », d'où nous avons le mot français aujourd'hui « sottise ». Il a tout claqué. Il a fait n'importe quoi avec tout cet argent. Un peu plus loin dans l'histoire, il y a un autre détail. On dit qu'une bonne partie de cet argent, il s'en est servi pour des prostituées. Il ne s'est rien refusé. Il a commis des actes ignobles. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà un deuxième coup de pinceau pour un jeune homme qui s'enfonce encore plus. Mais ce n'est pas fini. Ça va encore plus loin. Il tombe encore plus bas. Arriva ce qui devait arriver. Quand on ne fait que des retraits à son compte à banque et qu'on ne fait pas de dépôt, à un moment donné, on a beau avoir une belle fortune, on finira avec plus rien. En plus, c'est la famine. Il se retrouve en train de mourir de faim. Il est dit qu'il s'est mis à travailler pour un des citoyens de ce pays. Et le seul boulot qu'il trouve, c'est de s'occuper des cochons. N'oublions pas, il parle à des Juifs ici. S'occuper des cochons, c'est la pire des humiliations. En plus, il est complètement négligé. On ne lui donne pas à manger. Il se retrouve réduit à partager le repas des cochons. Et c'est là, enfin, qu'il touche le fond. Jésus nous a décrit un personnage déplorable qui a fait des choses horribles et qui a fini par perdre toute sa dignité. Et c'est à ce moment-là qu'il prend enfin conscience et qu'il prend une bonne décision. C'est comme s'il avait tout à coup pris conscience de la réalité. Et il dit ceci. « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » C'est comme s'il se disait, « Bon, avec tout ce que j'ai fait, retourner chez papa, c'est mort. Mais si au moins je pouvais travailler pour lui, je ne vivrai plus dans la maison, hein, j'ai été trop loin, mais si je touche un petit salaire, au moins, je ne serai pas en train de me battre avec les cochons pour avoir à manger. » Alors il décide de retourner. Il prépare son discours. Je trouve intéressant que le discours arrive deux fois. D'abord, Jésus lui dit, voilà le discours qu'il prévoit de dire. Et après, on voit le discours qu'il finit par dire. Il décide de reconnaître qu'il n'est pas digne de porter le magnifique statut de fils. Alors, n'oublions pas qu'on est dans une époque où un comportement pareil serait considéré comme la pire des trahisons. Il aurait pu se retrouver non seulement rejeté par son père, mais par tout le village, voire toute la société. Mais la réaction du père n'est pas celle qu'on aurait pu attendre. Au lieu d'être dans une colère noire, il est dans la joie. Au lieu de le rejeter, il l'embrasse. Il ne donne même pas le temps au garçon de proposer l'arrangement qu'il avait en tête. Vous vous souvenez, il avait cet arrangement. Il voulait proposer à son père, « Je vais juste être un de tes ouvriers. » Mais son père l'a coupé. La seule chose qu'il a dit, c'est que j'ai péché contre le ciel et contre toi, et que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est la seule chose qu'il a pu sortir de sa bouche. Le père lui met le plus beau des vêtements, finit les chiffons sales de sa vie de dénuement et de sa vie de débauche. Il lui met un anneau,
L'anneau, c'était le symbole de l'autorité. Un fils avait une certaine autorité dans une maisonnée. Il retrouve cette autorité. Il lui met des souliers aux pieds. C'était les esclaves qui allaient nu-pieds. Il lui rend son statut d'homme libre. Cette joie du père, c'est en fait le point central de toute cette parabole. D'ailleurs, c'est le point central de tout le chapitre, parce que c'est en fait la troisième parabole. La première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la drachme perdue. Et à chaque fois, il revient sur la joie de la personne qui retrouve quelque chose qui était perdu. Au verset 7 du chapitre 15, Jésus dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Au verset 10, il dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et dans la parabole que j'ai lue ce matin, il est question de la même joie, de retrouver ce qui est perdu. Et le Père décide d'enclencher les réjouissances, de faire la fête. Le veau engraissé, c'était réservé pour les plus grandes occasions. Déjà, manger de la viande tous les jours, ce n'était pas donné à tout le monde. N'oubliez pas, à l'époque, on n'avait pas les élevages intensifs. On n'avait pas les abattoirs industriels. Mais donc, manger le veau gras en plus. Et il n'y avait pas de congélateur pour tout garder. Donc, ça voulait dire que tout le village était invité pour la fête. Et à la fin, le projecteur est tourné vers le grand frère. Le petit frère est celui qui a commis des actes les plus déplorables. Il est tombé tellement bas qu'il ne lui restait plus aucune dignité. Il représentait une extrémité du spectre. Le grand frère, lui, il représente l'autre extrémité de ce cercle, de ce spectre. Il était dans les champs. C'était celui qui travaillait dur. Il avait été fidèle pendant de nombreuses années. Il n'avait jamais transgressé les ordres de son père. Et il ne faut pas perdre le contexte de vue. Ces paroles étaient racontées en réponse à des critiques que Jésus recevait de la part de justement des personnes qui avaient été fidèles, qui avaient obéi à la loi de Dieu. L'insinuation n'est pas passée inaperçue. C'est comme s'il disait à ce spécialiste de la loi, « C'est vous le grand frère. C'est bien d'obéir à la loi de Dieu. C'est bien d'être fidèle. Mais Dieu se réjouit quand le pire des pécheurs se repent. Il se réjouit quand il revient vers lui. Et il faudrait que vous vous réjouissiez avec moi, avec Dieu, quand des gens se tournent vers moi. » La question qu'on peut se poser maintenant, et moi dans tout ça, si Dieu a pris la peine de s'assurer que cette parabole nous parvienne, dans un aussi bon état de conservation après 2000 ans, c'est bien parce que le Saint-Esprit avait quelque chose de précis qu'il voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. La première chose, peu importe qui nous sommes, son amour pour nous est le même. Dans la parabole, il y a deux fils. Comme je vous ai dit, ils représentent en quelque sorte deux extrémités d'un spectre. Un qui était très obéissant et l'autre qui avait commis des actes abjects. Toi et moi, nous nous trouvons quelque part sur ce spectre. Certains d'entre nous sont peut-être comme le jeune fils, qui ont une vie pleine de mauvais choix, duquel nous avons honte. Pour certains, c'est connu de tous, pour d'autres, c'est connu de personne. Et puis, il y en a peut-être d'autres parmi nous qui sont plutôt comme le grand frère. Nous sommes des gens bien. Nous avons généralement plutôt bien obéi à ce que la Bible attend de nous. La plupart d'entre nous, nous sommes quelque part au milieu. Mais qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre, ou pile au milieu, l'amour du Père
est inchangé. Même pour le plus vil des pécheurs, l'amour incommensurable, l'amour de Dieu dont nous avons chanté tantôt, l'amour de Dieu est l'objet de beaucoup de nos chants, l'amour de notre Père. Et c'est avec raison que nous chantons l'amour de Dieu régulièrement. C'est parfaitement justifié. Il nous a aimés même quand nous ne le méritions pas. Mais même si nous ressemblons aux frères aînés, même si nous n'avons pas fait grand-chose de mal, l'amour de Dieu est le même. Personne ne peut prétendre être parfaitement parfait. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce péché nous sépare peut-être de Dieu. Ce péché nous sépare de Dieu. Mais ce péché ne nous sépare pas de l'amour de notre Père. Et c'est ça la bonne nouvelle. Malgré tout ce que le fils cadet avait fait, son père n'a pas pu contenir sa joie quand il est revenu. La deuxième chose que ce récit nous enseigne, c'est l'importance de la repentance. Le fils avait prévu tout un discours, et la première partie du discours, il a quand même dû la dire. C'était peut-être même la partie la plus difficile. Jésus insiste deux fois là-dessus dans ce chapitre, quand il dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Ou plus loin, il dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et c'est la fête au ciel quand quelqu'un reconnaît son péché, quand quelqu'un tourne vers Dieu. Les réjouissances en Italie la semaine passée, rien du tout à côté. Dans le ciel, Dieu se réjouit quand quelqu'un se repent, mais cette repentance est nécessaire. Le Père, il était prêt à bondir de joie quand le Fils est revenu. Mais il n'est pas allé le chercher dans ce pays lointain pour le traîner de force. Il y a eu cette démarche à faire de la part du jeune Fils. Il a fallu qu'il se lève et il a fallu qu'il dise cette première phrase. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Et on peut même dire que sa motivation n'était pas terrible. Est-ce que vraiment il avait envie de revoir son père? Ce n'est qu'une parabole, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais la vraie raison de rentrer chez lui, c'est parce qu'il n'avait pas envie de mourir de faim. Il n'avait pas vraiment des bonnes motivations. Et ce que je retire de ça, c'est que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous ayons pile la bonne compréhension. Il n'attend pas de nous que nous ayons pile la bonne motivation ou la bonne phrase à dire pour nous tourner vers lui. Tout ce qu'il demande, c'est justement de nous tourner de lui, de reconnaître que nous sommes pécheurs. J'en connais bien assez de chrétiens qui ont démarré leur vie avec Dieu pour des mauvaises raisons. Certains, ils avaient juste peur de l'enfer. Ça n'allait pas plus loin que ça. Ils n'avaient pas vraiment un attrait pour les choses de Dieu et les choses de l'Église. J'ai une fois rencontré une femme qui s'est convertie et elle était d'un milieu très aisé et elle est venue dans mon ancienne Église. Et il faisait de la broderie sur carte. Elle se demandait où elle était tombée. L'Église ne l'attirait pas du tout. Mais Jésus a quand même fini par l'attirer. Et 30 ans plus tard, elle est toujours dans cette Église. J'en connais d'autres qui se sont tournés vers Dieu juste parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une meilleure vie. Ou dans mon cas, moi, je me suis tourné vers Jésus. Je vais l'avouer, au début, c'était parce que je voyais pas ce que je ferais d'autre. Je ne connaissais rien d'autre. J'ai vécu dans un milieu où il n'y avait que ça. Ce n'est peut-être pas des bonnes motivations, mais c'est un bon point de départ. Quelles que soient les motivations, Dieu se réjouit quand un pécheur se repent.
Quelles que soient les intentions, Dieu se réjouit quand un pécheur se repent. Et si nos motivations aujourd'hui ne sont pas bonnes, qu'une mauvaise motivation ne nous empêche pas de faire une bonne chose, qu'une mauvaise motivation ne nous empêche pas de nous tourner vers Dieu. Et à ce moment-là, il suffira de regarder ce que Dieu peut faire dans nos vies si nous le laissons agir en nous. Dans la parabole, on dit que le Père lui met des sandales aux pieds. Il lui met un anneau, il lui met des beaux vêtements. Il y a un renouveau qui est en place. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous devenons des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Des nouvelles motivations, des nouvelles intentions, si nous laissons Dieu agir en nous. 2 Corinthiens 5, 10 nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous nous repentons, quand nous nous tournons vers Dieu, nous devenons des nouvelles créations. On dit que ceux qui sont en Christ. Et c'est là que, avec ce verset, que je peux passer vers la partie que Jésus a choisi de ne pas mentionner dans cette parabole. Nous avons ce nouveau statut, celui d'être considéré comme ses enfants. Et nous pouvons devenir ce pour quoi l'être humain est réellement fait. Ce verset me permet de transitionner vers la chose que Jésus n'a pas choisi d'inclure dans cette parabole. Le Fils, il a pu retourner chez son Père, malgré tout ce qu'il a fait. La chose était possible. Dans cette petite histoire, dans cette parabole, il n'élabore pas là-dessus. Il ne va pas dans les détails. Mais dans la vraie vie, rendre cette chose possible, c'était énorme. Jésus, celui qui racontait cette histoire, et d'ailleurs, il est en route vers Jérusalem à ce moment-là. Il savait très bien que rendre la chose possible allait lui coûter très cher. Le péché, notre péché, devait être puni. Le châtiment devait tomber. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le châtiment est tombé. Mais il est tombé sur celui qui raconte cette histoire. Il est tombé sur celui qui raconte la parabole. Il est tombé sur Jésus. Par sa mort à la croix, par toute la souffrance qu'il y a eu autour de cette mort à la croix, et par ce qui pour lui devait être la pire des souffrances, celui d'être abandonné de son Père. Et ainsi, le prix de nos fautes a été payé entièrement, et nous n'aurons plus à endurer le châtiment de ses péchés. Il est tombé sur Jésus parce que Jésus avait la force de l'endurer. 3 jours plus tard, il est ressuscité. La résurrection, on aime bien parler à propos de ça parce que c'est un événement historique, avéré. Tous les fact-checkers, ça c'est un mot à la mode, tous les vérificateurs de l'histoire ont tenté de démontrer, et il n'y en a aucun qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. J'ai la foi que personne n'y arrivera. Cette résurrection a réellement eu lieu. Quand on revient des morts, il vaut mieux entendre ce que la personne dit, écouter ce qu'il lui dit. Cette résurrection est la preuve qu'il est plus fort que la mort, qu'il est plus fort que le péché. Je vais revenir à la parole, à la parabole. On parle de la joie du Père. Je remets le micro à sa place. Dieu le Père était dans la joie le jour où moi, je suis retourné vers lui. Dieu le Père était dans la joie le jour où ceux d'entre vous qui ont déjà fait cette démarche, le jour où vous êtes retourné vers lui, il était dans la joie. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait la démarche, le jour où vous le ferez, si vous le faites, le Père sera dans la joie. Il sera là pour utiliser les mots de l'époque, un nouveau vêtement, une bague, des sandales. Parler de nous aujourd'hui, c'est pour un renouveau, pour une reconstruction.
de nos vies. Et ça fait de lui le plus heureux des pères. Et tu n'as pas idée à quel point le ciel se réjouira ce jour-là. J'espère que vous avez compris que c'est ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas encore fait. De le faire sans plus tarder, de retourner vers Dieu, de reconnaître qu'on est péché, accepter ce cadeau merveilleux que Dieu a fait, et de pouvoir en parler avec quelqu'un de l'Église pour que nous puissions nous rejoindre aux réjouissances de notre Père. Amen. Merci, pasteur Martin, pour le message. Avant notre dernier chant, nous allons prier. La prière, comme nous le disons toujours, la prière, c'est l'une des armes spirituelles que le Seigneur a mis à notre disposition. Il faudrait qu'on les utilise. Et pendant la prière, nous pouvons aussi penser à toutes les familles qui ont perdu des gens dans la famille qui ont perdu tous leurs biens, beaucoup de dégâts dans notre pays et dans certains pays en Europe. Prions pour toutes ces personnes-là. Nous allons aussi remercier le Seigneur pour la grâce de la croix, d'avoir livré son Fils pour nous. Prions. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, puisque nous reconnaissons en toi, Seigneur, que tu es notre Père. Nous sommes allés loin de toi, Seigneur, mais par ta grâce, tu nous as remis sur ton chemin. Nous te remercions pour ton sacrifice, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions puisque tu nous as investis. Merci pour la grâce. Nous pensons à tous nos frères, à toutes nos sœurs en Belgique et une partie de l'Europe qui ont perdu des membres des familles, qui ont perdu des maisons, tous leurs biens, Seigneur. Nous te demandons de les consoler. Nous te demandons de les fortifier, Seigneur, de les accompagner dans toutes les démarches. Nous pensons à nos églises sœurs qui ont perdu des biens aussi. Ils ont été choqués par cette situation, Seigneur, mais la nature a été plus forte que tout. Nous te remercions, Seigneur, puisque tu es le Dieu de la nature. Garde-nous, Seigneur, pendant cette belle journée. Garde-nous pendant cette belle semaine qui est devant nous. Où que nous soyons, Seigneur, nous serons tes ambassadeurs. Nous serons tes témoins, Seigneur. Investis-nous par ton esprit. Que ton esprit vive en nous et que le monde voie. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour notre dernier chant. Dites-le fort.
Bon dimanche à chacun et une bonne semaine.